Yo, bande de Roger, ici Matt. Et aujourd'hui, un invité spécial, Monsieur R2D2. Qui est en train de péter un câble. R2, où es-tu passé? Ah. Hey, oh, par ici. Oula. R2D2, viens ici. Bienvenue à tous pour un Battlefront après les cours sur cette joyeuse, enfin joyeuse mais violente retrouvaille. Donc comme la dernière fois, j'espère que vous avez apprécié, un espèce de condensé sur des parties que je vais faire. C'est 3PO qui pète des câbles. Donc aujourd'hui on va jouer en attaque des marcheurs je pense. Dès que j'aurai fini le chargement, je vous reprends dans la folie et les pions-pions les plus absolus. A plus. On se retrouve. Alors, aujourd'hui, on va jouer une nouvelle arme que je viens d'acheter, le T21. On va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de comment ça se joue. Hop, dans le bordel de l'attaque des marcheurs qu'on avait joué en bêta. Si vous vous souvenez bien. Et si vous étiez présent, sinon je vous invite quand même à aller regarder. Ça doit être des vidéos qui sont encore d'actualité. Donc avec ça un peu snipé d'après ce que j'ai vu. Bon, on va pas le faire tout de même dès le début, on va essayer de les approcher un peu. Ouais oui, ça tire. Ok d'accord. Oula oula oula. Ah oui d'accord, il y a eu un gros lag Saras. Je me disais, c'est un peu étrange ce qui s'est passé parce qu'il me semblait que je l'avais touché plusieurs fois. Ah, autant dire que si je le touche. Voilà, c'est un miracle. Ça ne veut rien dire. On va essayer de jouer avec d'autres. Mon kit secondaire. Avec le gros canon un peu. D'accord. Monsieur Dark Sidious. Hein, bon. Monsieur fait parler de lui. Donc le gros canon, je disais, avant que je me fasse défoncer. Oh Boba Fett. Oh, oh je l'ai défoncé. Parce que peut-être pas Boba Fett, mais il a plus tarot quand même. Ok, ok, ok. On se baisse. Vous avez vu le gros canon impulsion qui fait des backflips aux ennemis et là, ma connexion, hein, simplement, qui part en steak. Et cette arme qui m'a l'air complètement pétée. Hein, ça veut rien dire. Et donc on va retester un coup de... Oui. Ah, comment on fait? Passe pas devant. Voilà, bon. Ça m'a l'air un peu trop facile ces armes, hein, sur cette map. Frappe orbitale. Exactement. Oh, attendez, Monsieur Dark. D'accord. Alors, quel est le cours le plus proche de Star Wars à votre avis? Alors, on va réfléchir à ça. Peut-être la physique quantique, les déplacements de protons. Non, peut-être on va arrêter nos conneries. Je vous lâche. Hop, hop, hop. On a frappé. On a mis des coups dans la bouche à Dark Sidious. On a failli de respect. Putain, c'est dommage que ça ait lagué, putain. Le respect a disparu avec nous. Et c'est quoi ça? Oh, ça m'a l'air bien, ça, attendez. Oui. Oh, j'ai mis mid-life. Tiens. Ah, le lag. C'est lag rigolo. Oh! D'accord. Oh, je l'ai eu! Je suis un génie! Le génie vaincra. Par contre, notre pote, il est juste dernier de la partie. Alors. Ouais, de Bivatel là. Oh, tu pues! Concentrez vos attaques sur le marcheur. Oh, oui. D'accord. D'accord. Je vois l'idée. Ok. Bouge pas. Non, mais par contre, oui, mais si vous en mettez. Non, mais. D'accord. Ok. Ouais, non, y a pas de problème. Je comprends, c'est compréhensible. Alors. Station de liaison indiquée sur la carte. Rendez-vous sur place. Du coup. Ok. Faut défendre. On va jouer un peu objectif. Jusque là, je gambadais dans les plaies, hein, entre le lag et la réalité. Là, avec la lumière, on voit pas grand-chose. Donc, on va essayer de. Vous voyez quelqu'un par lui. Oh, ça l'a pas touché? Si, on l'a eu. On l'a eu, mais le lag nous a failli nous avoir raison de nous. Ok. On va aller l'avoir au corps à corps, lui. Ouh, bien joué, bien joué.
Chalier Grogozi est devenu Dark Vador. Très bien, monsieur. Bref, ouais, Dark Vador. Oula, oula, oula. Ah, bla, bla, bla. Canon à pulsion. Bon, on doit être dans des serveurs biélorusses. Ou alors je ne connais pas mon serveur biélorusse, mais. Mais là, c'est pas ce qui est le mieux. Peut-être changer de serve à la fin de la partie, ce qui me paraît assez intelligent, on va le dire. Hop, c'est plutôt malin. Limite. Tire. Dark Vador. Alors Dark Vador qui se bat les couilles de mes tirs. Et je ne peux plus sortir de la machine étant donné que le lag a encore eu raison de moi. Génial. Je commence à kiffer cette partie. Attends, donne-moi ça, toi. Ah non, mais non, mais non, il y a déjà... On a déjà une grenade. Oula. Déjà une grenade. Regardez comme il est bonhomme, bonhomme. Oula. Alors, attendez, vous allez pas me faire chier longtemps. Moi, je mets un truc qui stoppe les tirs. Moi, je suis plutôt classe. Hop, je vous jette des grenades dessus. Aucun respect. Je vous mets des... Headshot. Ok, d'accord. Aïe, 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 aïe. On va prendre un A-Wing, le machin qui a le moins de style possible, mais avec le lag. Eh ben voilà, sans lag ou avec lag, ça va pas changer grand chose. Ouais, j'allais dire, ça va pas être possible à jouer en fait. Je me suis rendu compte qu'après, malheureusement. Hop, 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 hop. Oh, ça va pas aller, hein. Je vais peut-être gaspiller mon canon à pulsion, là, mais le kill, on va se cacher là-dedans, mais hop, sans viser. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. C'est ce qu'on dit. Oula, oula, oula. Par contre, petit à petit, je vais me faire décalquer. Hop. Oula, oula, qui me tire, qui me tire. Oh, c'est pas moi. Non. Je voulais me mettre dans la bulle du type, du genre, ouais, peut-être que ça va me sauver de se mettre avec cette protection. Je voulais carrément lui carotte sa protection, avec le respect. Alors, on va essayer un long shot. Non! Oh putain! Alors, lui aussi, il avait le lance-patate amélioré. L'espèce d'arme qu'on joue. Mais on dirait un lance-patate! Attendez, on va juste. On va juste. Regardez, le machin, il ressemble à un. Je sais pas. Ça ressemble à rien en fait. Ils ont vu Dark Vador? Oh putain, mais c'est le seul ici. Ah, alors toi tu prends pas tes coups. Oh mais non, mais il avait la tourelle, putain. Le mat, qu'est-ce que tu fais le mat? Pas très sérieux tout ça. Et nous on peut pas devenir Han Solo. Moi je vois un mec à droite, c'est marqué. Il est devenu Han Solo. Il est en train de décéder, putain. Ok, 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 ok. Surveille ses ennemis. Ils pourront pas tous nous tuer de toute façon. Ah si, si, peut-être quand même. Putain, si ça explose encore une fois par ici, je m'en vais. Ça peut exploser par ici. Bon, est-ce qu'il y a des ennemis? On va faire une percée. Ok, c'est une mauvaise idée. Okay, c'était une très mauvaise idée. Et si on essaye... Attendez, j'ai une idée, on va se camoufler sous le truc. Hop. Et ouais, mec. Oula, oula. Non, le jeu. Le jeu décède. Le jeu décède. Aïe. 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 Comment ça, je me suis suicidé? Mais non. Attends. Ah merde, c'était pas une grenade à impact. Du coup, elle a rebondi, elle est retombée sur ma gueule. Mon dieu. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, alors, alors. Je sais même pas comment je vais pouvoir compenser cette merde. Hein. Les détecteurs indiquent que le marcheur s'affaiblit. Rabattez-le tant qu'on le fait encore. Oh, oh, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé, défoncé, défoncé. Oui, d'accord, hein, c'est clair. Ah que là, j'étais quasiment hors du serveur. Le pire, regardez, c'est que si ça laguait pas, mais je les arracherais, le mec là-bas. Bon, alors à part là, on n'a pas compris. Ah, mais il avait encore un canon. Bah. Pas grave, on va régler le problème. Hop, d'accord. Alors lui, lui, il a dû devenir Dark Vador. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. Waouh, 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 gros, tu bug, gros, tu bug, gros, tu bug. Alors attends. Ok, 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 on va tenter une percée à droite. Ça aurait passé.
Hop, il suffit d'éviter les tirs. Hop, regardez, on va suivre notre ombre. Non, peut-être pas. Il tire sur quoi là, Robinho? Couvrez-moi de quoi, c'est devant l'ennemi. Monte. Faut pas me dire que tu glisses, putain, t'as des bottes. Attends. Baisse, baisse. Baisse-toi, putain, j'étais baissé. Non. Pas gentil, très vilain ça. Oh. Il s'est fait arrache. Lui, il a bugué, très bien. Oh, je l'ai touché. Je l'ai eu. Attends. D'accord, alors là c'est tir.com, pifton-tir.com ça s'appelle. Oh, il y a un ennemi là. Oh, tu t'es perdu toi. Alors par contre, ouais, tu éviteras de bugger s'il te plaît. Non, je veux pas mourir comme ça. Ouh. Juste. Qui me... Supportable. Qui me tire. Ok, j'essaie de tirer à travers, ça n'a pas marché. On va tous mourir là, t'en es conscient game. On est caché. On est caché, il ne peut rien m'arriver. Ah si, dans plein axe en plus. Plein nord. En plus j'en ai des trucs de... Attendez, il suffit de marcher en diagonale, attendez. Ah non. Monsieur, il a fait un slash spawn roquette, position sous les pieds du mat et puis explosion. En principe, on essaye. Ils auront beau faire leur salope. Je vais en poster des mecs qui tirent cross the... Putain, la tourelle 1,4 FDP, mais ils ont bien trouvé leur nom, ces connards. Bon, alors attendez, bon, si on arrive à défendre, c'est déjà ça. Aïe, 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 aïe. Mais tu sors d'où? À quel moment tu t'es perdu? T'as dû rater l'épisode 5, toi, hein? Ou 4? T'es passé du 3 au 4, c'est du 5, je sais plus compter. Putain, on va se cacher dans les montagnes, c'est bon. Ah, y'a ah, un mec là-bas. Bah, il est mort. Toi, t'es mort. Ouais, tu dégages. Toi, tu meurs, tu dégages. Toi, tu lags, tu dégages aussi. Alors. Hop, vous ne m'avez pas vu. Toi tu fais chier le monde. Je dégage. Quoi? Ok, toi je t'ai vu. Tu vas voir que je vais pas te rater mon enfoiré de salaud. Alors attends. Oh, j'ai touché personne. Ah si si. Si si quand même, oh, respectons le tir du mètre quand même. Oh, j'ai touché un mec avec la grenade. Je croyais que t'avais bugué. Ah oui, tu as bugué. Ok, c'est bon. En fait, je me réfère plus aux potes qu'aux ennemis pour savoir si je bug quoi. Un chinchillo. Ok, c'est un chemin secret. Aïe. Dangereux aussi. Putain, du 16-26. C'est-à-dire que je faisais un ratio de 1-14, je crois que là il va passer à 0-8. Oh. Tu fais quoi, Negro Bigno? Oh. Là, il a pas compris. Quoi que ça me permet de réfléchir si je ne fais pas one shot. Réfléchir les tirs, mais non, réfléchir avec son cerveau, c'est un peu trop compliqué là. Là-bas on a Dark Sidious, Dark Vador. Là on a un clan PAN. Okay. E-Web. Ils ont vraiment des noms à la con pour leurs armements. Oh, putain la grenade! Qui a fait ça? Non mais oh bordel, je spawn me fait buter! Bon, je vais arrêter de regarder mon score toutes les 2 minutes, ça ne sert à rien, il est fini, il est terminé. Oh, vite, on tape les bonhommes. Plus. Ok, baisse, plus, on peut plus, défaite. Oh putain, la défaite! Bon, ok, on sort de serveur, c'est très bien. Oui, tu détruis tout, très rigolo. Hop, slash, quitter, au revoir. Niqué, hop, niqué, voilà. Très bien, je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que cette game était un peu trop buggée. Du coup, on va en refaire une, pas n'importe quelle game. Bon, on va refaire le même jeu, ok. Alors, attendez, on se retrouve quand j'ai fini de charger tout le bordel. Et on va pouvoir aussi savoir si c'est bien la co qui bug ou si c'est mon jeu qui bug. Enfin, si c'est le serveur plutôt. Alors, mon jeu bug aussi, mais ça je comprends pas pourquoi. C'est pour baisser le son et me rendre compte que mon PC faisait des trucs derrière que je ne pouvais contrôler. Donc, bien chiant, évidemment. Et toi, tu as gelé? Ah, ok, d'accord.
sais pas trop ce qui s'est passé, mon pote, mais t'as l'air d'avoir pris cher. Oui, 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 monsieur explose des choses. On ne comprend plus rien. Alors, toi, là-bas, tu étais censé être mort. Ah non, tu étais dans une tourelle de merde, bon. Ok, donc moi, je pense qu'à partir de maintenant, hein, vu comme ça bug, vous voyez, c'est bien le temps d'arrêter la vidéo. À mon grand regret, putain de Windows. Non, mais là, là, c'est une grosse blague. Regardez, Windows fait des... Windows compresse ma mémoire. Windows fait n'importe quoi. Windows tire au... Windows est devenu Han Solo, personne n'a compris. Le commandant Skywalker nous a rejoint. Ouais, Skywalker, t'es où, mon vieux? Peut-être que c'est avec le héros que je devrais jouer, vu mon lag, hein, parce que de toute façon, c'est tellement pété que tu peux traverser la map et renvoyer tous les tirs du monde. Voilà, là, on est bloqué. Hein? Merci, Windows! Hein? Bon. Bon, bah, c'est fini, hein. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Là, c'est plus jouable. Hein. Je crois bien que soit mon PC il va mourir, soit c'est Windows qui va voler. Je vais pas les deux en même temps. Regardez, c'est plus possible. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment à me voir galérer et bugger. Les tours à l'FDP de salope, hein. À m'avoir vu rager. Bien évidemment, intentionnellement, hein. Je vais pas rager pour rien. Et je vais pas vraiment rager parce que sinon ce serait triste. Et regardez-moi ce rendu de merde! Ok. Ok. On va s'arrêter là. Bien évidemment, prenez ça au second degré, toujours très important. Regardez, c'est quand même beaucoup plus marrant de jouer au jeu comme ça, hein. Hop, regardez, tac, 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 hop. C'est joli comme ça, ça bug pas trop, hein. Bref, on se retrouve la prochaine fois, après les prochains cours, après mon prochain pétage de câble. Putain, c'est horrible! Ok, moi je veux plus voir l'ennemi, on va aller là-bas, de toute façon. Mieux là-bas, hein, c'est toujours plus beau de côté de la barrière. Il n'y a pas de barrière là, mais c'est ça les barrières là-bas, on va dire. Putain, ça bug trop. J'en ai marre. Oh, ils m'ont cassé les couilles. Ils m'ont cassé les couilles. Vous m'aurez jamais. Jamais vous m'aurez. C'est moi qui m'aurai. Ouais, tu es par beau. Bon, par le plus grand des miracles, on a gagné. Plus grand des miracles, hein. C'est la conclusion. Les rebelles ont gagné, ouais, ouais, ouais. Windows a gagné. Et ça, je ne le permettrai pas. À plus.